Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. La région de Kharkiv n'a pas connu d'évolution récente significative. Comme prévu, les attaques terrestres russes se sont limitées à Arayanikivka, Masyutivka et Kromalny. Nous ne voyons toujours pas de signes indiquant que la situation de la région est en train de changer. Les formations russes dans cette partie de l'Ukraine sont basées sur la 6e armée combinée, la plus faible et la moins développée des forces terrestres russes avant la guerre. En fait, parmi toutes les directions, les dirigeants militaires russes continuent de réduire la priorité à l'oblast de Kharkiv. Kiev pourrait bénéficier de ce développement, mais en même temps, il n'y a pas de tentative visible pour façonner le champ de bataille dans la région de Kharkiv ou d'efforts pour augmenter de manière significative la présence ukrainienne dans la région. La proximité de la frontière de l'État et la menace d'une attaque sur le flanc ukrainien réduisent encore les chances d'une avancée ukrainienne dans cette partie de l'Ukraine. C'est également de la Russie proprement dite qu'est venue la première attaque majeure de missiles contre des missiles en Ukraine depuis le début du mois de mars. Après une pause de 50 jours, des bombardiers stratégiques russes Tu-95 ont tiré 23 missiles de croisière depuis la mer Caspienne sur des régions du centre, de l'est et du sud de l'Ukraine. Dimanche soir, les Russes ont mené une nouvelle attaque. Celle-ci comprenait 18 missiles de croisière, dont 15 auraient été abattus. Bakhmut reste la principale cible des troupes russes, mais n'est pas totalement encore conquise. Cependant, les forces du Kremlin augmentent progressivement leur contrôle sur la ville. À ce stade, environ 75% de la ville est sous contrôle russe. Fin avril, les Russes ont atteint l'intersection des rues Tchaïkovski et Yubilena. Ils s'emparent de l'école professionnelle industrielle, ce qui leur permet de contrôler l'entrée principale de la ville, à la fois depuis Ivanovské et Kromové. Evgeny Prigojine a assuré dimanche avoir reçu la promesse de Moscou d'obtenir plus d'armes et de munitions pour continuer à combattre à Bakhmout. Vendredi, le chef du groupe paramilitaire Wagner avait menacé de retirer ses troupes de la ville, reprochant au haut commandement militaire russe son manque de soutien et l'accusant d'être responsable de la mort de milliers d'hommes. Épicentre des combats les plus violents depuis plusieurs mois, la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine revêt davantage une importance symbolique que stratégique. Samedi, Evgeny Prigojine avait proposé de confier sa position de Bakhmout aux troupes du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, qui s'était dit prêt à remplacer les mercenaires de Wagner. Les troupes russes, qui affirment contrôler la majeure partie de la ville, se heurtent toujours à la résistance ukrainienne. Les combats y ont été particulièrement meurtriers des deux côtés. Ces tensions actuelles interviennent alors que Kiev se prépare à lancer une vaste contre-offensive. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pavlenko. Nous sommes le 8 mai et nous commémorons ce matin, Vincent, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, à l'ouest c'est le 8, mais pour les Russes c'est demain, on n'est pas synchrone. Et c'est pas simplement une question de fuseau horaire, on ne parle pas non plus de la même chose quand on célèbre la victoire. À Moscou on exalte les 21 millions de Russes sacrifiés pour l'obtenir, et à l'ouest, le débarquement en Normandie vient plutôt à l'esprit. La victoire sur les nazis n'est pas la même, on ne parle pas non plus le même langage quand on parle de la paix. Le 8 mai c'est pourtant la seule question qui vaille, qui devrait nous hanter, qu'impose les 50 ou 60 millions de morts entre 1939 et 1945. La Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé sans que personne s'en avise dans le Donbass il y a 9 ans? Autrement dit, est-ce que ce conflit périphérique va dégénérer et comment éviter qu'il entraîne l'Europe en enfer? Est-ce que le chantage nucléaire de Vladimir Poutine est crédible? Ouais, question abyssale. Alors les experts disent, Vincent, qu'il n'est pas impossible, hein, mais qu'il est improbable que Vladimir Poutine emploie des armes nucléaires tactiques en Ukraine. Alors la revue Le Grand Continent du groupe d'études géopolitiques publie « Penser la guerre nucléaire qui vient ». Envisager cette guerre étant la seule façon de se donner une chance de l'empêcher. Pour l'illustrer, il y a la photo d'un essai nucléaire. On voit un paysage désert, des tables sont dressées comme pour un pique-nique, 200 chaises pliantes, bien
bien alignés, mais la plupart des hommes en bras de chemise restent debout en petits groupes. Il y en a même qui sont allongés par terre comme à la plage. On est dans le désert du Nevada et au loin, mais pas loin, l'immense colonne se dresse, le champignon nucléaire est magnifique et des caméras tournent. Ces hommes, photographiés de dos, ont été conviés au spectacle. Ils savent que les radiations tuent, les massacres d'Hiroshima et de Nagasaki ne s'oublient pas, mais ils ont confiance, ces privilégiés sont des innocents, des scientifiques qui pensent être protégés de la bombe par leur savoir, des militaires protégés par leur uniforme. Ils sont du bon côté de l'histoire, ils se croient au balcon. On regarde le cliché et on se demande si nous ne sommes pas face à la guerre en Ukraine, comme ces hommes qui ont regardé le danger en face, mais sans le voir, qui ont confiance et qui ont tort. Mais en quoi est-ce que les Européens leur ressemblent, Vincent ? L'Europe croit aux balivernes qu'elle raconte sur l'Ukraine, qu'elle ne fait pas la guerre à la Russie, qu'elle fournit seulement à l'Ukraine les armes sans lesquelles la Russie l'aurait écrasée depuis longtemps, que Vladimir Poutine n'osera jamais passer à l'acte, que la dissuasion fonctionne. En décembre dernier, il a emprunté aux Américains le concept de préemption. C'est la guerre préventive version nucléaire. Je frappe le premier en sachant que cela ne suffira pas à anéantir l'ennemi, mais en lui montrant que je suis prêt à endurer ses représailles et que je serai capable de riposter à sa riposte. C'est faire monter les enchères pour mettre fin au conflit. C'est l'escalade en vue d'une désescalade. Le Kremlin n'est pas le seul à envisager le pire, Vincent. Les néoconservateurs au Congrès américain ont déposé fin avril un projet de résolution qui engagerait les États-Unis à déclarer la guerre aux Russes si l'Ukraine échoue à les bouter hors de chez elle. L'Europe doit refuser l'escalade qu'envisagent les deux côtés, où elle deviendra une fois de plus un champ de bataille. Signature Europe 1 et mise en garde. Signé Vincent Hervouet. L'écrivain russe Zakhar Prilépine, soutien farouche de l'invasion russe en Ukraine, a été la cible d'une attaque dans sa voiture. L'explosion a coupé l'avant du véhicule en deux. Son chauffeur a été tué sur le coup. L'auteur nationaliste a quant à lui été transféré à l'hôpital. Une attaque que Moscou impute à l'Ukraine et à l'Occident, alors que des frappes de drones, sabotages et attentats présumés se multiplient ces dernières semaines sur le territoire russe. Auteur de romans et nouvelles s'inspirant de son expérience personnelle, notamment dans des zones de guerre, Zakhar Prilépine participe activement au mouvement patriotique et traditionnaliste en Russie. Figure bien connue de la scène littéraire russe, traduit dans plusieurs pays, il s'est engagé dès 2014 en faveur des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, aux côtés desquels il a combattu. Son soutien à Vladimir Poutine et à la politique du Kremlin l'ont conduit sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne et les États-Unis. Alors, le Donbass, ça a commencé pour moi en 2015. J'ai découvert ce qui s'y passait à travers le récit d'un Ukrainien naturalisé français qui m'a montré des images de soulèvements à Donetsk qui m'ont beaucoup étonnée parce que je n'en avais pas entendu parler avec autant de précision. Cet homme, donc ukrainien naturalisé français, travaillait dans une association pour le BTP, la rénovation à Donetsk. Il m'a proposé de partir, on a décidé d'en faire un film, je l'ai proposé à France Télévisions et tout s'est mis en place très rapidement à travers un premier déplacement dans la zone. Quand je suis arrivée, c'était assez violent, ça bombardait régulièrement et donc là j'ai pu découvrir une facette du Donbass qui était une zone de guerre civile que je ne connaissais pas. Et à partir de là, j'ai, en 2015, fait 4 voyages, aussi bien à Donetsk qu'à Lugansk, pour filmer et recueillir le témoignage des civils sur place. Alors, ce qu'on vit sur place, je pense que c'est propre à toutes les guerres, à tous les conflits. On a très peu d'informations, généralement, sur les conflits en cours. Là, la guerre en Ukraine est très médiatisée depuis 2022. Elle a commencé donc sous forme de guerre civile en 2014. C'est vrai que ce n'était pas médiatisé, mais comme de nombreux conflits, on part du principe généralement qu'on a 150 conflits par an, évidemment qui ne sont pas comparables en termes d'intensité, mais qui ne sont absolument pas documentés. Ces gens-là se racontent au fur et à mesure, ils racontent leurs conditions, ils racontent pourquoi ils sont en colère. À l'époque, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, le gouvernement de Porochenko a coupé les retraites, a coupé les aides, donc c'est une zone qui est totalement sinistrée. Les salaires ne sont plus versés aux retraités, le système bancaire et les retraites sont bloqués. Donc on découvre une zone qui est
enfin, où la vie est quasiment impossible. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Donc pour moi en tant que française avec toute la difficulté que j'ai de comprendre, je ne parle pas russe, je ne parle pas ukrainien, donc déjà il faut, enfin c'est une plongée dans un grand inconnu pour moi. Et donc là, je suis confrontée à une situation qui humanitairement, est catastrophique. Maintenant, on sait aujourd'hui, et ça a beaucoup choqué en 2022, que de 2014 à 2022, il y a eu 15 000 morts, militaires et civils, des deux côtés. Donc vous voyez, vous arrivez quand même à comprendre que c'était intense ce qui s'est passé. Et c'était très intense en 2014 et en 2015, à la période où j'y étais. C'est là où il y avait le plus de bombardements. Voilà. Donc c'est une zone sinistrée. On rentre dans une zone sinistrée. De grandes traînées lumineuses dans le ciel de Barmout en Ukraine. De quoi accuser la Russie d'utiliser des bombes au phosphore dans sa lutte pour le contrôle de cette ville très symbolique. Selon le groupe paramilitaire pro-russe Wagner, 95% de la ville n'est désormais plus sous contrôle ukrainien. À la veille du jour de la victoire, célébration militaire nationale en Russie, les bombardements russes se poursuivent alors que la grande contre-offensive ukrainienne se fait toujours attendre. Un vent de panique a soufflé sur la région de Zaporijjia quand les autorités d'occupation ont demandé aux habitants d'une vingtaine de localités d'évacuer. Au même moment, Raphaël Grossi, le président de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, prévenait qu'un accident nucléaire sérieux était possible. Enfin, la nuit dernière, plusieurs attaques de drones ont eu lieu sur Kiev. L'administration militaire de la ville a fait état d'au moins 5 blessés. Selon le commandement aérien ukrainien, 35 drones russes ont été abattus. Malgré les sanctions et la perspective des embargos, la Russie continue d'exporter massivement ses matières premières énergétiques à l'Europe via l'Ukraine, source cruciale de revenus pour le Kremlin. Une manière de peser sur l'économie de vieux continent, secouée par une sévère crise énergétique, mais aussi une vague inflationniste. L'énergéticien Gazprom compte expédier ce lundi plus de 38,6 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe par la station de Soudja. La veille, le volume de transit s'élevait à 39,3 millions de mètres cubes uniquement. Gazprom fait transiter le gaz russe à travers l'Ukraine en quantité, confirmée par la partie ukrainienne via la station de Soudja, soit 39,3 millions de mètres cubes pour le 7 mai. La demande de pompage via Sokhranovka a été rejetée. Pour Moscou, les exportations d'énergie fossile à travers l'Ukraine restent la seule voie d'acheminement du gaz russe vers l'Europe occidentale et centrale. Le pompage via le gazoduc Nord Stream étant à l'arrêt. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, l'Europe a réduit ses importations de gaz russe pour se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement. Après plus d'une année de conflit, certains pays européens restent tout de même très dépendants des hydrocarbures russes. Хто захищає наші кордони, окрім військових? Інноватори, стартапери, підприємці. L'Ukraine lance Brave 1, une initiative visant à développer sa technologie militaire avec l'aide d'experts du monde entier. Leur objectif, mettre au point des systèmes de défense et de cybersécurité, grâce notamment à la création d'armements non traditionnels, tels que les armes automatisées ou autonomes. Avec le boom de l'intelligence artificielle, elle pourrait fonctionner de manière indépendante et changer à jamais les opérations militaires, mais leur mise en œuvre future est controversée. Constantemente hay misiones que se abortan por cuestiones éticas, legales, técnicas, simplemente por la propia evolución del combate. This also involves a loss of moral agency, because
with a human operator, there is always a possibility in theory that a human might exercise compassion and empathy and a sort of human judgment. And a system that is trained on data and pre-programmed to do something doesn't have that option. Dans un avenir proche, des opérations militaires faisant appel à un essaim de drones, à des chiens robots ou des robots humanoïdes sont largement envisageables, mais il existe un certain nombre de risques. Lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, les algorithmes peuvent présenter des biais dans leurs modèles de données, tels que des erreurs d'identification faciale biométrique ou l'absence d'une évaluation approfondie de leur environnement. ¿Qué pasa si ese blindado ha sido capturado por fuerza propia o aliadas? ¿Qué pasa si ese carro de combate, ese modelo, está siendo usado también por fuerzas aliadas? ¿O si está momentáneamente junto a tropas aliadas o contra zonas vedadas, como puede ser un templo o una escuela? This idea that so-called killer robots kind of gain their own consciousness and appear on the battlefield, that's a futuristic thing, and kind of it's from science fiction and movies. That's not really what the debate should be about. Les scénarios inexplorés de l'intelligence artificielle dans la guerre suscitent de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale. Au niveau civil, des experts en IA ont appelé à une suspension de 6 mois du développement de cette technologie afin d'en étudier les conséquences possibles. Anna Nadibaidze appelle les pays à accélérer la réglementation de cette technologie. Governments around the world are very interested and visibly interested in investing, keep investing a lot of money into these technologies. There is an urgent need to kind of address this with legally binding rules, address these challenges, because currently the current international regulations, international humanitarian law isn't sufficient. Un porte-parole de l'ONU affirme que les inspections quotidiennes des navires déjà autorisés se poursuivent. Des responsables des 4 parties formant le centre conjoint de coordination se trouvent à Istanbul pour mettre en œuvre l'accord de la mer Noire conclu en juillet de l'année dernière. Les navires céréaliers doivent être autorisés par le centre conjoint de coordination et se soumettre à 2 inspections avant de partir vers leur destination. Selon le centre conjoint de coordination, 26 navires attendent d'être inspectés à l'entrée et à la sortie et 8 autres demandent une autorisation. Les Nations Unies et la Turquie ont négocié l'accord de la mer Noire afin de contribuer à la lutte contre la crise alimentaire mondiale dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a également adhéré à un pacte de 3 ans dans lequel l'ONU a accepté de l'aider à lever les obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais. Moscou affirme que les restrictions occidentales en matière de paiement, de logistique et d'assurance ont entravé les expéditions. La Russie a déclaré qu'elle ne prolongerait pas l'accord de la mer Noire au-delà du 18 mai si ces questions n'étaient pas résolues. Les vice-ministres russes, ukrainiens et turcs de la défense doivent se rencontrer la semaine prochaine pour en discuter. Dans les régions ukrainiennes libérées de l'occupation russe, les agriculteurs risquent leur vie pour débarrasser leurs terres des explosifs avant la période critique des semis de printemps. Outre les dangers, ils doivent faire face également à la montée en flèche des coûts de production et de transport dus au blocus de plusieurs ports de la mer Noire par la Russie. Він на свій страх і ризик сам себе підвергає, ну як ризику опасності. Іде на поле, виносить, убирає. Є підриваються, бо хочуть обробити землю, тому що вони за счет землі живуть. Прошлий рік урожай не зібрали, не посіялися зимами. Зараз сімечкою не відсіються соняшником, опять остануться. Тобто остануться без грошей зовсім. У нас ситуація така, що ми орендоване підприємство, у нас робочі. Робочих послати на поле, на якому ми знаємо, є. Міни, заряди я не можу. Тобі ж послати людину, щоб вона підірвалася, ну, не маю права я такого. Pour Ushkalo et de nombreux agriculteurs ukrainiens, le risque de faire faillite et de mourir est réel. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a appelé à des efforts pour remettre les relations sino-américaines sur la bonne voie lors d'une réunion avec l'ambassadeur américain en Chine, Nicholas Burns. Qin Gang a déclaré que les relations sino-américaines étaient non seulement significatives pour les 2 pays, mais aussi pour le monde. Il indiquait que la tâche première était d'éviter que les liens ne partent en spirale descendante, ce qui constitue le consensus de base devant être atteint par les 2 parties.
Qinggong a également exhorté les États-Unis à respecter la ligne fondamentale de la Chine et de cesser de porter atteinte à la souveraineté de la Chine, en particulier sur la question de Taïwan. Il a déclaré que la Chine espérait que l'ambassadeur Burns deviendrait un pont entre les deux pays et accomplirait davantage d'efforts constructifs. À l'actualité également, il y a cette fusillade aux États-Unis, au Texas. Un homme a ouvert le feu dans un centre commercial. Il a tué 8 personnes. Le point avec Louisa Gerdaoui et Philippe Jacquemot. Des détonations dans un centre commercial proche de Dallas. Les témoins sont sous le choc. Pop, 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 pop. And we saw sparks flying, like it was right in front of us, so we just ran into the Converse store, they locked the door, we all hunkered down in the back. And like heard 10, 15 more shots go off, and so I ran to the front of the store and we're like, no, that's shooting, and we see the guy, there's this guy dressed in all black, wearing a vest, has an assault rifle, and he's just shooting at people right across. He was at like Francesca's area, shooting at people. Le bilan est lourd. 8 morts, dont un enfant de 5 ans, plus l'agresseur, tué sur place par un policier qui se trouvait là pour une toute autre raison. He heard gunshots, went to the gunshots, engaged the suspect and neutralized the suspect. He also then called for ambulances. We have a multi-agency response helping us work the scene. They helped us evacuate the mall. Outre les 8 victimes innocentes, le tueur a également blessé 7 personnes, dont 3 qui sont dans un état grave. Les clients, eux, ont été rapidement évacués. It's people, you know, people injured really bad, some dead bodies. How many bodies do you think you saw? Probably like a 7. Le président américain Joe Biden a immédiatement été informé. Les États-Unis ont déjà recensé 198 tueries de masse, rien que pour les 4 premiers mois de l'année. Les Nations Unies ont demandé au gouvernement américain d'accroître ses efforts pour s'attaquer aux discriminations raciales dans l'exercice du maintien de l'ordre. Un communiqué de presse rendu public par le mécanisme d'experts chargé de promouvoir la justice et l'égalité raciale dans le contexte du maintien de l'ordre a exhorté les États-Unis à établir des normes nationales sur l'usage de la force et à mener des enquêtes pénales sur les cas de recours excessif à la force par les forces de l'ordre. La délégation des experts nommée par le Conseil des droits humains des Nations Unies indique que le passé esclavagiste a laissé des traces durables aux États-Unis et que les discriminations raciales se manifestent dans les contacts entre les forces de l'ordre et les populations. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a également rencontré samedi le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le général Asim Munir. Au cours des entretiens, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que la Chine attendait avec impatience une coopération de plus haut niveau et des efforts conjoints avec le Pakistan pour relever ensemble les défis. Il a ajouté que la Chine soutenait le Pakistan dans sa lutte contre le terrorisme et qu'elle était prête à travailler avec le Pakistan pour promouvoir un développement de haute qualité de leur corridor économique, ainsi que renforcer les échanges militaires et la coopération en matière de défense. Le général Munir a qualifié les deux pays, je cite, « d'amis et frères par tous les temps ». Il a déclaré que l'armée pakistanaise était déterminée à poursuivre cette amitié et à construire une incassable communauté d'avenir partagé Pakistan-Chine. Alors, ben commençons par l'Inde. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce pays. Donc, c'est un pays qui fait quand même à peu près 1,4 million de personnes. Je tiens à rappeler, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, qu'il y a une trentaine d'années, les mêmes qui aujourd'hui nous annoncent la fin du monde pour cause de je ne sais quoi, de réchauffement ou de refroidissement, j'en sais rien, disaient que l'Inde, il allait avoir à peu près 150 à 200 millions de personnes qui allaient mourir de faim. C'était au début des années 70. Il y avait un type qui était spécialisé là-dedans et qui avait publié des études, qui a été un best-seller mondial et qui continue à annoncer la fin du monde avec beaucoup de... C'est pas un type du Club de Rome ? Il était aussi dans le Club de Rome, mais lui, il était professeur à Stanford. Ah oui. Un professeur à Stanford. Tout se recoupe. Tout se recoupe. Donc lui, il a annoncé la fin. Et aujourd'hui, donc l'Inde, dans la période des 30 ou 40 dernières années, elle a dû passer de 700 millions à 1,4 milliard. Et ils exportent du blé. Donc, vous voyez, ça va bien. Toujours les bonnes idées. Il y a trop de monde sur la terre. Donc, les Indiens se développent depuis dans un système de marché qui est quand même passablement ouvert sur le monde.
et qui n'est pas du tout technocratique comme les tissus de la Russie. Et donc, ils avaient un problème, c'est que chaque fois qu'ils commençaient à croître un peu vite, ben, ils avaient besoin d'énergie. Oui. Or, d'énergie, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas d'énergie, ils ont un peu de charbon, mais il est dégueulasse. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils importaient. Et à ce moment-là, la balance commerciale plongeait. Et à un moment, elle plongeait tellement qu'il fallait remonter les taux d'intérêt pour éviter qu'il y ait une crise sur la monnaie. Oui. L'éternel des importations. Des trucs des importations. C'est ce qu'on appelle la contrainte du commerce extérieur. Et aujourd'hui, miracle des miracles, les Indiens peuvent payer leur pétrole aux Russes en roupies. C'est-à-dire que quand vous regarderez, vous verrez que la balance commerciale indienne est en déficit, mais si vous payez la moitié ou toutes vos importations d'énergie en roupies... Bah ça change de si tu dois emprunter du dollar. Ça change d'avoir du dollar ou de ne pas en avoir assez. Donc, l'Inde est en train d'entrer dans une période où elle ne va plus avoir de contraintes du commerce extérieur. Mmh. Et elle a à peu près 500 milliards de réserves de change qu'elle avait accumulées pour les jours nécessiteux, quoi. À peu près 50 milliards d'or. Et elle a aussi probablement le plus important stock d'or du secteur privé et d'argent du monde entier. Parce que les valeurs de la réserve de valeur, ça a toujours été l'or et l'argent pour ce pays. Donc je me dis... L'Inde, qui a un système éducatif qui a quand même fait sortir des gens d'excellente qualité, puisque la moitié des gars, c'est les gars qui gèrent Microsoft ou qui gèrent Google, etc., sont indiens. Et surtout, les Indiens parlent anglais. Et donc, ce pays, ça va probablement être le grand gagnant du bouleversement stratégique qu'on est en train de connaître, c'est-à-dire... ce qu'on a appelé dans beaucoup de nos émissions, la dédollarisation. Mmh. À partir du moment où l'Inde peut acheter son pétrole avec sa monnaie, mais ça va avoir un deuxième effet auquel les gens ne pensent pas, c'est que les Russes, ils vont recevoir plein de roupies. Donc, ils vont les changer, j'imagine, dans le marché pour couvrir leurs frais fixes en Russie. Mmh. Tu vois, pour payer les loyers, n'importe quoi. Bon. Mais ils vont se retrouver avec un excédent de roupies qui seront des réserves de change. Et où ils vont les foutre, ces réserves de change? Ben, ils peuvent les mettre que dans le marché obligataire indien. Oui. Qui n'est pas terrible. Mais du coup, ça va donner une profondeur, une liquidité au marché obligataire indien, ce qui fait que les Indiens n'auront plus besoin d'aller emprunter des dollars parce qu'il n'y a pas de marché obligataire indien. C'est-à-dire que les Russes qui ont trop de roupies, ils vont peut-être les prêter aux entrepreneurs indiens qui n'en ont pas assez. Ces dramatiques inondations dans l'est du Congo, au moins 170 personnes ont perdu la vie en cause de fortes pluies qui ont dévasté certaines régions. Corentin Laurent. Des torrents d'eau ont envahi ce village au bord du lac Kivu. Dans la panique, les habitants tentaient de fuir pour survivre. Désormais, ceux qui ont échappé à la mort recherchent et décomptent les victimes. Des hommes, des femmes et des enfants qui ont péri dans la catastrophe. J'ai perdu mon mari et maintenant je suis seule avec mes 5 enfants. Il ne reste que des débris et de la tôle pliée des habitations, des écoles et des hôpitaux. Les structures de soins encore debout peinent à soigner les victimes. Dans cet hôpital, 56 patients sont pris en charge. On doit dire que les difficultés par rapport à leur prise en charge, seulement pour le premier soin, se posent. Notamment dans des médicaments et beaucoup plus dans des consommables. Les consommables, ce sont des gants, des seringues, des compresses et tout le reste. Dans la province du Sud Kivu, à la saison des pluies, les inondations sont fréquentes et cela risque d'empirer à cause du réchauffement climatique. Alors les habitants demandent à partir. Nous n'avons plus l'espoir de vivre ici, à Bouchouchou, là où se passent souvent chaque fois des inondations et qui nous coûte cher et qui nous coûte la vie de la population. Mais l'urgence est d'abord de reloger les rescapés dans une province où plus du 3/4 de la population vit dans la précarité.
C'est officiel, la tenue du référendum sur le projet de nouvelle constitution aura lieu le 18 juin. Dans ce projet, il y a plusieurs nouveautés. Le renforcement, par exemple, des pouvoirs du président de la République. Il y a le recul de la langue française. La langue française était considérée jusque-là comme la langue officielle. Elle va devenir la langue de travail. Et puis, il y a, pour la tenue de ce référendum, plusieurs défis. Le défi de l'organisation. Le Mali est un vaste pays. L'État n'est pas présent partout. Les groupes armés contrôlent une partie du territoire national, une autre partie est contrôlée par les forces djihadistes. L'autre défi, c'est le défi du rassemblement. Il y a, on le sait, des partis politiques, mais également des groupes armés impliqués dans le processus de paix qui ne veulent pas pour le moment entendre parler du référendum et qui souhaitent l'organisation d'élections libres, transparentes, d'élections présidentielles libres et transparentes, quitte à ce que le nouveau président de la République élu organise le référendum. Voilà la réplique du plus gros diamant jamais trouvé dans le monde, de la taille d'une balle de tennis. Il a été découvert en Afrique du Sud en 1905. Au début, ils ne croyaient pas que c'était un diamant, ils pensaient que c'était un morceau de verre. On l'a baptisé Cullinan, du nom de l'entrepreneur qui possédait la mine. Il a été offert à la couronne britannique, qui l'a coupé en 9 morceaux pour le mettre sur le sceptre du roi. Le pays est à l'époque colonie britannique. Les fermiers bourgs d'origine hollandaise ont perdu la guerre en 1902. Plus de 30 000 personnes sont mortes dans les camps de concentration des soldats anglais. Alors quand les Sud-Africains décident d'offrir le diamant aux Anglais, beaucoup sont surpris par ce geste de réconciliation. Et alors Winston Churchill, qui était journaliste mais qui avait fait la guerre anglo-boer comme soldat, a dit « Non, il faut accepter ce cadeau ». Alors Édouard VII a accepté le cadeau pour son 66e anniversaire. Et c'est seulement en 1910, quand George V est monté sur le trône, que le diamant s'est retrouvé dans les joyaux de la couronne. Peu de Sud-Africains connaissent cette histoire. Pour beaucoup, ce diamant a été volé, pas donné. The queen has passed on, may she rest in peace, but you know the diamond needs to come back, you know. Think about how you obtained that mineral. Is it good to have it on your crown? 8000 personnes ont signé la pétition qui est en cours pour reprendre le cadeau que Louis Botha, gouverneur du Transvaal, avait fait aux Anglais. Le cadeau vaut aujourd'hui 400 millions de dollars. Les syndicalistes veulent des compensations. Ils pourraient investir l'équivalent de ce diamant dans des projets utiles, comme dans l'éducation par exemple. Ou alors, ils nous rendent le diamant. Peu importe, mais s'ils veulent le garder, il faut bien que cette acquisition corresponde au prix du marché. Sinon, on entre dans le débat obscur des vols de la période coloniale. La balle est dans le camp du nouveau roi d'Angleterre, qui sait bien que sa richesse vient aussi de la sueur des populations de son ancien empire. À une semaine des élections en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a tenu l'un de ses derniers grands meetings de campagne ce dimanche à Istanbul. Selon le parti présidentiel, 1,7 million de personnes ont fait le déplacement pour écouter le président sortant, âgé de 69 ans, dont 20 ans au pouvoir. Recep Tayyip Erdogan, bu zamana kadar vaat ettiklerini hepsini yaptı. Yapamadıkları hiçbir şey yok. Erdoğan Müslüman olduğu için ahlaklı, cesur. Cesur olduğu için ve bir de hizmet aşkı var. Vatanını, dinini, Allah'ını seven bir lider. Geçmişimi bildiğim için Tayyip Erdoğan'ın yolunda ilerlemek istediğim için Tayyip Erdoğan her zaman Tayyip Erdoğan. Dans les derniers sondages, Erdoğan est devancé par Kemal Kılıçdaroğlu, le dirigeant du CHP, qui a pris la tête d'une coalition de 6 partis d'opposition. Après s'être affrontés à distance ce week-end lors de leur meeting respectif à Istanbul, les deux rivaux doivent réunir une dernière fois leurs partisans à Ankara avant le scrutin de dimanche prochain. Au nord de la Syrie, les stigmates du tremblement de terre sont toujours visibles. Des centaines de ruines et de bâtiments abandonnés, hantés par les milliers de personnes disparues au matin du 6 février dernier. Une situation désespérée pour les rescapés, menacée depuis des années par la guerre civile et le régime de Bachar el-Assad. This is an area that has, you know, been under conflict for over a decade now, and I think what's really key to remember is that it's almost impossible to separate the needs which existed in northwest Syria before the earthquake from really after the earthquake. Even before the earthquake, at least 4.1 million people in northwest Syria, which is around 90% of the population,
were reliant on humanitarian aid to meet their most basic needs. You know, this is also an area that has a huge population of internally displaced persons, many of whom are living with very real physical and mental scars of over a decade of conflict and who have been displaced multiple times already, even before this earthquake. De l'autre côté de la frontière, en Turquie, plus de 100 000 bâtiments se sont effondrés. La faute, selon beaucoup, à des autorités laxistes et corrompues qui ont laissé les constructeurs contourner les réglementations. Selon un rapport de l'ONU, environ 3 millions de Turcs ont été déplacés, mais 20% de ceux qui ont dû quitter leur foyer tentent déjà de revenir chez eux. We see a lot of displacement in the north of the country and Izmir, Ankara, Istanbul, Konya, and we can track that as UNICEF in a very precise way, especially because we follow the enrollment of children in schools. And definitely there is an hope that a new job could be created also during the reconstruction process. Une catastrophe qui risque d'avoir un impact conséquent sur les élections générales du 14 mai prochain. Ironie du sort, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir il y a 20 ans grâce à la mauvaise gestion d'un autre séisme dévastateur. Selon les premières estimations, la reconstruction de la région devrait coûter 90 milliards d'euros. Le président syrien Bachar el-Assad. Elle annonce de la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe après presque 12 ans de suspension. Fait, vous le voyez, la une du quotidien égyptien Daily News qui précise que le texte qui a été voté à l'unanimité hier au Caire ouvre la voie à une invitation de Bachar el-Assad au prochain sommet de l'organisation qui aura lieu le 19 mai à Jeddah en Arabie Saoudite. Après avoir été écarté, Damas pourra enfin reprendre son siège au sein de la Ligue arabe. Depuis déjà plusieurs mois, un réchauffement diplomatique était en préparation dans la région. Oui, sachant qu'il y a quelques années, certains pays arabes exigeaient donc le départ de Bachar el-Assad justement pour espérer une réhabilitation de la Syrie. La Ligue arabe a suspendu la Syrie illégalement. Oui. Parce que dans la Ligue arabe, le règlement interne exige qu'il y ait une unanimité pour suspendre un membre ou l'exclure. Ce n'était pas le cas. L'Algérie déjà était contre. L'Irak aussi, le Liban. Après plus de 11 ans d'isolement, la Syrie va réintégrer la Ligue arabe. La décision a été prise ce dimanche au Caire par les ministres des Affaires étrangères de l'organisation. Un retour en grâce pour le régime de Bachar el-Assad, qui avait été suspendu de la Ligue arabe en 2011 suite à la répression sanglante d'un vaste mouvement de contestation populaire. Pour l'ONG The Syria Campaign, la décision de la Ligue arabe est un revers dévastateur pour la justice et les droits de l'homme qui blanchit les atrocités du régime Assad et risque d'aggraver la crise dans la région alors que la guerre en Syrie n'est toujours pas terminée. Donc la Syrie, après avoir remporté la guerre contre les groupes terroristes, contre les à peu près 300-400 000 hommes armés qui ont déferlé sur la Syrie de tous les coins du monde. Maintenant, après la victoire militaire, c'est le couronnement d'une victoire politique. Mais il reste beaucoup à faire parce que quand même, ce qui se passe en Syrie, c'est un crime contre l'humanité perpétré par des pays occidentaux qui imposent un blocus barbare contre le peuple syrien qui est privé de nourriture, privé d'énergie, privé de tout presque. Donc, le Conseil de la Ligue arabe a adopté une résolution visant à former un groupe de contact ministériel arabe afin de communiquer avec les parties soudanaises et les pays influents. L'objectif est de parvenir à un cessez-le-feu total et durable et de répondre aux causes de la crise. Par la suite, le groupe sera en charge de la coordination avec les organisations d'aide internationale afin de fournir un soutien humanitaire et médical d'urgence aux citoyens et aux personnes déplacées à l'intérieur du Soudan. Les combats font toujours rage à Khartoum, la capitale du Soudan, et dans les villes voisines. La violence dure depuis 3 semaines, faisant des centaines de morts et provoquant un exode. Les deux hommes ne se parlent plus depuis plusieurs jours. Il y a bien des tentatives de la part de Benjamin Netanyahou, ou plutôt des membres de son cabinet,
de reprendre contact avec le ministre de la Sécurité nationale, mais ce dernier reste campé sur ses positions. Il attend des actes et non plus des paroles. La politique doit changer. Le gouvernement doit passer à une politique complètement à droite. Nous avons reçu un mandat du public pour changer de direction et cela doit se produire. Dimanche, le ministre aurait posé plusieurs conditions au retour de son parti, Force juive, aux délibérations de la Knesset et aux réunions du gouvernement. Itamar Ben-Gvir exige une opération militaire antiterroriste de grande envergure en Cisjordanie, le durcissement des conditions de détention des prisonniers sécuritaires palestiniens, sa participation à toutes les réunions sécuritaires, l'adoption immédiate d'une partie de la réforme judiciaire. Réforme suspendue pour le moment et au sujet de laquelle coalition et opposition cherchent un compromis. Le bras de fer entre Force juive et le Likoud a commencé en début de semaine dernière. Le ministre israélien de la Sécurité nationale n'a pas été convié aux discussions sécuritaires pendant le cycle de violence entre Israël et le Hamas à Gaza. Force juive a également critiqué la réaction de l'armée israélienne face aux tirs de roquettes par les groupes terroristes, la qualifiant de faible. La tension est encore montée d'un cran après la restitution des dépouilles de terroristes palestiniens à leurs familles et la libération dimanche d'un parlementaire jordanien accusé d'avoir tenté d'introduire clandestinement plus de 200 armes à feu en Israël. Selon la télévision publique israélienne, le Premier ministre israélien n'aurait accepté aucune des conditions posées par Itamar Ben-Gvir. L'ambassade de Chine en Serbie a organisé une cérémonie de mémoire devant l'ancien site de son ambassade en Yougoslavie, qui a été bombardé par l'OTAN en 1999. L'événement vient rendre hommage aux trois journalistes chinois tués lors du bombardement de l'OTAN. Le bombardement a également blessé plus de 20 diplomates et gravement endommagé le complexe de l'ambassade. Des responsables serbes et chinois, des représentants du gouvernement municipal de Belgrade, des entreprises à capitaux chinois et des représentants des médias étaient présents à l'événement. En 2016, la Chine a érigé un mémorial sur le site de son ambassade bombardée. Le monument comprend des inscriptions en chinois, en serbe et en anglais, avec les mots « Se souvenir des martyrs, chérir la paix ». Le brouillard politique s'épaissit un peu plus en Slovaquie. Ce dimanche, le Premier ministre Eduard Heger a annoncé sa démission, mettant fin au gouvernement de coalition de centre-droit. La présidente Zuzana Čaputová a nommé un gouvernement par intérim qui dirigera le pays jusqu'aux élections parlementaires le 30 septembre prochain. Une situation qui survient dans un climat tendu, marqué par l'inflation et la guerre en Ukraine, et qui pourrait favoriser Robert Fico, candidat socialiste pro-russe et populiste, en tête des sondages. Au lendemain du couronnement de Charles III et de la reine Camilla, il régnait un air de fête ce dimanche au Royaume-Uni. Des milliers de Britanniques ont participé à des déjeuners et des fêtes de rue, en présence notamment de Kate et William, qui ont profité d'un bain de foule. It's a wonderful occasion that none of us except for my 95-year-old mother-in-law have experienced the coronation before. And this is what Britain is all about. And we just wanted to get behind the monarchy and the king and really support him and his family and everyone else. Le roi et la reine ont envoyé leurs meilleurs vœux aux participants de ces grands déjeuners en leur souhaitant un moment très agréable. Point d'orgue de ces festivités, un grand concert prévu dans la soirée au château de Windsor. Parmi les invités de marque de cette journée, Jill Biden, l'épouse du président américain. Elle s'est jointe à un repas à l'extérieur de Downing Street, organisé par le Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur.